Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto point de croix. Donc j'ai sorti cette petite toile de mon stock pour euh, vous faire cette vidéo. Comme vous le savez, je suis actuellement sur d'autres toiles et je n'avais pas prévu d'en commencer une autre. Mais on m'a demandé des conseils sur comment débuter une toile en... Une toile estampée. Donc, euh, bah voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc, là, je pars avec un kit de la compagnie Cross Stitch, qui est anciennement la compagnie Joy Sunday. Donc, c'est des kits qui sont plutôt complets, mais vous retrouvez approximativement la même chose dans tous les kits, en tout cas de base. Donc, lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, nous avons. Oui, je l'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch, à l'époque où je faisais encore des partenariats avec eux. Alors, voilà, vous voyez, la pochette, elle est vide. On a les instructions euh, pour broder ici. À l'intérieur, on a une toile avec le dessin à broder avec des couleurs qui ne sont pas du tout les couleurs auxquelles on s'attendait. C'est tout à fait normal. Ce sont des couleurs qui contrastent de manière à bien nous aider à nous repérer euh, lorsqu'on va réaliser euh, bah, nos différentes petites croix. Et la plupart du temps, euh, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits traits noirs comme ça indiqués. C'est le backstitch. Donc, ils l'ont mis sur la toile, mais on ne va pas se mentir, ça ne sert pas à grand chose, surtout quand c'est du petit vert comme ça là. Ça ne sert pas à grand chose parce qu'une fois qu'on aura mis nos croix, tous tout, tout ces petits guides-là vont disparaître. Ensuite, nous avons nos cartonnettes de fil. Alors, selon les compagnies, vous pouvez aussi avoir des cartonnettes individuelles pour vos fils. Ça marche exactement pareil. Donc je vais démêler ça. Bon comme là ça y est l'automne est arrivé, j'ai pris un kit automnal avec des couleurs d'automne. J'adore ces couleurs, elles sont magnifiques. Donc si on regarde la petite cartonnette, donc là j'ai les aiguilles qui sont accrochées à la cartonnette. Des fois vous les avez dans un petit sachet avec des pompons et d'autres accessoires. Ça c'est vraiment variable selon les kits, mais vous avez toujours une toile, des fils, des aiguilles et le patron pour lequel on reviendra plus tard. Lorsque vous regardez cette petite cartonnette, donc que ce soit une cartonnette comme celle-ci ou les cartonnettes individuelles, vous aurez toujours vos fils qui seront accrochés par un petit trou. Et avec, vous aurez un numéro ou un symbole ou euh, ça dépend des compagnies. Un numéro, un autre nombre ici et encore un autre nombre ici. Souvent, voilà, c'est les trois indications que vous avez. Et là, si vous regardez, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla, jusqu'à 26. Donc, ça, c'est le numéro de la couleur. À quoi correspond ce numéro de couleur Si on regarde la toile, on viendra au patron après. Je fais des nœuds, ça y est. On voit que nous avons une légende autour de notre dessin. Et si on regarde bien, alors forcément c'est tout de suite un peu moins bien imprimé parce qu'il y a les trous et tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 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 jusqu'à 26, 25, 26. Et là on a le 1 et le 26, ce sont les points de backstitch, mais on a bien on retrouve bien nos 26 numéros. Ce qui signifie que euh, chaque symbole va correspondre à un fil de notre cartonnette. Donc les symboles ne sont pas sur la cartonnette. Mais euh, ils correspondent au numéro. Et si vous voyez bien en face, là par exemple, pour le 1, vous avez 310, pour le 2, vous avez 312, 318, 334, etc. Donc là, c'est la référence DMC de la couleur. Et si vous regardez sur la cartonnette, pour le 1, nous avons le 310, pour le 2, nous avons le 312, le 3, le 318, le 4, le 334, etc. etc. Donc ça correspond vraiment bien. Ensuite, le chiffre qui est sur le dessus, celui-là n'est pas systématique, mais sur les kits de chez euh, Cross Stitch, vous l'avez. Ça correspond en réalité au nombre de fils qu'il vous faut pour réaliser. Euh, oui, au nombre de qu'il vous faut pour réaliser cette toile. Donc là, pour le 310, il me faut un fil complet. Donc un fil, c'est tout ça. Voilà. Donc là, ils m'ont mis un fil. Pour le 312, il me faudra un demi-fil. Il ne coupe pas les fils en deux, mais je sais que là du coup j'ai largement assez pour le 3, etc. Pour le numéro 5, il m'en faut deux et ils m'en ont effectivement mis deux. Donc voilà, et vous voyez là, il m'en faut 3 et ils en ont effectivement mis trois également. Voilà, donc ça en rouge, c'est les quantités de fils qui vont être nécessaires. Ici nous avons la référence DMC et en bas le numéro qui nous reprend à la table des matières de la toile. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le patron ou le diagramme. Donc sur ce patron ou ce diagramme, nous avons une nouvelle table des matières, mais qui ne correspond pas plus que ça. Si on regarde le numéro 1, donc la couleur numéro 1, qui est numéro 1 ici aussi, je ne sais pas comment vous mettre de façon à ce que ça. Là, ce sera un trait vertical, et là, on voit qu'ils nous ont mis... Petit 1, et si on regarde, aucun des symboles ne correspond. C'est tout à fait normal, puisque là, ils ont fait le euh, diagramme aux couleurs réelles, donc c'est une, une autre codification, mais c'est pas un souci. La plupart du temps, non, là, on l'a pas, mais des fois, on a une deuxième. Euh... On a une deuxième table des matières aux couleurs euh, du, de la toile. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça nous sert vraiment si on est perdu, si on a besoin de se repérer. En général, quand on est en estampé, quand c'est suffisamment lisible, on se sert peu du diagramme, sauf au moment de faire le backstitch. Donc là, ce n'est pas les couleurs réelles pour le backstitch. Hein. Il n'aura pas les petits, euh, les petits trucs euh, bleu, clair et vert. C'est euh, pour nous indiquer, vous avez la, le diagramme du backstitch ici. Donc ça, c'est un guide. Si on le faisait en point compté, bah effectivement, on aurait tout en couleur réelle. Mais là, on va principalement s'intéresser à la toile. Ce que je vous conseille avant de débuter, c'est de vous munir de petits accessoires supplémentaires qui ne sont pas forcément et très rarement fournis dans le kit. Donc je vous conseille de prendre une paire de ciseaux très fins qui coupent très bien, puisque vous allez comme ça pouvoir couper au plus proche et au plus précisément vos fils. Et je vous conseille également de vous munir d'un petit accessoire comme celui-ci. Alors, il en existe plusieurs sortes. Hein. Vous avez le basique comme celui-ci. Vous avez des modèles un peu plus comme celui-là. Vous prenez ce que vous aimez, ce qui vous fait envie. Moi, je rajoute un petit aimant, mais ça, c'est euh, pour éviter de perdre mon aiguille quand je, quand je brode. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là... Vous êtes prêt à débuter. Donc, on va commencer par récupérer une petite aiguille parce que pour broder, c'est quand même plus facile avec une aiguille. Alors, j'aurais pu les récupérer avant, mais je voulais vraiment que vous voyiez le kit depuis son ouverture jusqu'à la première croix. Donc, dans les Joyson Cross Stitch, on a deux aiguilles. Euh, il y a d'autres compagnies où il y en a cinq. Bon, voilà, c'est. C'est très variable. Je vous conseille de garder précieusement la deuxième aiguille, soit dans une petite boîte, soit dans le petit sachet, dans un endroit où vous savez où vous le rangez, puisque bah, c'est tout petit, c'est tout fin, ça se perd et ça se casse. Moi, je suis la reine pour les casser. À partir de ce moment-là, vous êtes libre de commencer où bon vous semble. En... Si jamais ça avait été une toile en point compté, mais ça, je vous ferai un tuto point compté ultérieurement. Pour le moment, je m'intéresse vraiment que à la toile estampée mais si vous avez vous faites la toile en point compté vous remarquez qu'il y a une croix rouge sur le diagramme c'est pour vous indiquer à quel endroit il faut commencer donc ce serait ici mais nous n'y sommes pas donc je ne vous explique même pas comment repérer ce point etc là vous êtes libre de commencer où vous le désirez donc par exemple vous pouvez vous dire je commence avec le numéro 1 et sauf que là, je suis en train de regarder ma toile et je me rends compte déjà qu'il y a. Euh... Je ne vois pas le num... où est-ce qu'il y a du numéro 1. Si, ah, là. Bon, alors là, celui-là, je ne vais pas du tout commencer par lui parce que clairement, il y en a un bout là, un bout là, un bout là, un bout là, un bout ici. Euh, clairement, ça va être. Euh... C'est du petit confetti à peine visible, hein. Donc justement, quand il y a des, des symboles comme ça, bel exemple de l'utilisation du diagramme. Donc là, je ne vois pas où sont les numéros 1. Ici, je vois que c'est un carré noir. Et si je regarde mon diagramme, effectivement, je vois qu'il y en a un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ceux-là, ils sont hyper faciles à détecter. Alors, je ne vois pas pourquoi il me dit que j'avais besoin d'un fil complet pour faire ça, sachant que, voilà, on ne va pas se mentir. Euh... Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Il y a 14 croix à faire. Bon, il n'y a pas besoin d'un fil complet. Bref, je ne vais pas commencer par cet exemple qui pour moi n'est pas du tout un bon exemple. Le 2 non plus, puisque ce sont les yeux. Le 3, bon bah c'est pareil, c'est au niveau des yeux. Euh, quelle couleur je pourrais prendre Alors, soit je décide de prendre ma, ma grille dans l'ordre pour choisir ma couleur. Quand c'est un petit. Euh, sujet comme ça, ça va, maintenant quand on fait une nappe, clairement on ne doit pas faire couleur par couleur ce qui peut être fait c'est on va découper sa toile, Alors, on ne va pas la découper réellement mais on va la, la découper en sections donc euh, suivant, euh, suivant, euh, suivant ce que l'on veut euh, Voilà. il y a des personnes qui vont dire, bah, moi je fais des cases de 3 par 3 donc euh, voilà, ça, ça va être la première case mettons j'ai pas mon stylo qui écrit sur les... Euh... Si, là Voilà, on va pouvoir peut-être se dire, euh, voilà, ça, ça sera ma première case. Et euh, donc, euh, bah, voilà, je vais faire euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est dans cette zone-là. Ça part à l'eau, hein, je vous rassure, n'écrivez pas sur votre toile si vous n'avez pas un crayon qui sert à, à écrire sur les toiles. Ou alors... Euh, voilà, tout dépend combien... Euh, voilà. Donc on va dire qu'on a décidé de faire notre première case de 3 par 3. Donc j'ai triché un peu parce qu'ici ça fait un peu plus que 3. Et euh, donc je vois que dans cette case-là, j'ai ce symbole-ci qui est le symbole numéro 5. J'ai ce symbole-ci qui est le symbole numéro 11. Et j'ai ce symbole-ci. Donc là c'est un carré plein vert qui est le symbole numéro 13. Donc à partir de là, bah je me dis, je vais commencer par le numéro 5. Alors, on va prendre le fil du numéro 5, plutôt que de parler dans le vide. Pour ça, je défais simplement un fil de ma, de ma, de ma petite cartonnette. Et là, je vais broder en 14 CT. Il est important de savoir en combien de CT vous brodez, puisque je vérifie oui, 14 CT. Puisque euh, en fonction du nombre de CT, vous n'allez pas broder de la même façon. Donc là, vous voyez, j'ai 14 CT et à côté, il y a un petit 2. Le symbole qui est là, je ne sais pas parler chinois, mais je sais que ça veut dire brun. Puisque en 14 CT, on brode en deux brins. Qu'est-ce qu'un brin Un fil est composé de six brins. Quand vous l'écartez un petit peu, vous voyez, il y a des petits brins à l'intérieur. Et il y en a six. Voilà. Bon là, ils ne sont pas très très réguliers, hein. bah, c'est chinois hein. En même temps, faut pas s'attendre donc pour du 14 CT, il nous en faut deux. Je peux prélever directement deux brins de mon fil, mais moi pour de, du 14 CT, ce que j'aime bien faire, c'est je prélève un seul brin. Voilà, il est là donc pour prélever un brin, je l'attrape délicatement par le bout et je le tire tout doucement. Et normalement, ça vient tout seul sans faire de nœud. Ce qu'il reste de mon fil, je vais le remettre sur la cartonnette. Je vous fais tout en direct. Hein. Et là, je vais simplement le mettre sur mon aiguille et je vais le plier en deux. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir mes deux brins. Donc, je mon aiguille sur mon enfile aiguille, mon enfile fil. Hein, chacun, les deux appellations existent. Voilà. Ensuite, j'ai mon brin qui est ici. J'espère que vous voyez assez clair parce que j'ai plus trop de lumière là. Et je viens simplement plier mon brin en deux. Et ainsi, je me retrouve avec un... avec un fil qui fait deux brins. Et qui est beaucoup plus court, donc il y aura beaucoup moins de chances de s'en mêler. Vous ne le voyez pas trop parce que ça reste fin. Et à partir de ce moment-là, moi, sur mon enfil fil, j'accroche la boucle au petit crochet. Et je n'ai plus qu'à sortir mon aiguille et le fil est enfilé. Voilà, je sens au passage de mon doigt qu'il y a un petit nœud ici. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent très souvent, un peu trop, surtout chez moi. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis la reine du nœud. Donc pour l'enlever, l'idéal, c'est de réussir à passer l'aiguille dans une des boucles du nœud et de tirer délicatement. Mais je dis bien tirer délicatement parce que si vous n'êtes pas au bon endroit, Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que là... Voilà, désolé pour le changement de luminosité. Je dis bien, tirez délicatement parce que si vous n'êtes pas bien dans la boucle, vous pouvez faire plus de dégâts que de bien. Donc en général, c'est quand on tire délicatement qu'on s'en rend compte. Je vais pas y arriver. J'ai l'impression d'avoir réussi à faire le tour de force de faire un double nœud. Ça, ça me ressemble aussi. Hein. Bon, j'aurais aimé vous montrer la technique, mais euh, je crois qu'avec la caméra, je suis trop loin. Attendez. Je crois que ça vient. C'est du minutieux. Hein. Ah, je l'ai perdu. Oh non, je viens de le resserrer. <laughs> Bref. Je vais vous mettre en pause le temps de le défaire. Voilà, je vous reprends. Je n'ai pas fini de défaire le nœud, mais je voulais vous montrer, une fois qu'on a réussi à placer l'aiguille dans, la euh, dans la bonne petite boucle, il suffit de tirer délicatement dessus et le nœud se défait tout seul. Voilà. J'aurais réussi. Wouhou donc, reprenons. À partir de ce moment-là, je vois que par rapport à ma case que j'ai tracée tout à l'heure, je peux considérer que ça c'est mon premier point. Maintenant, moi, je ne travaille pas en case, donc je ne vais pas considérer celui-là comme mon premier point. Ça m'a juste permis de, de décider avec vous que j'allais commencer par cette couleur-là. Donc, mon premier point peut être soit ici, soit là, soit ici. Moi, je vais commencer avec celui-ci. Alors, pour délimiter à quel endroit je vais placer mon aiguille, il faut savoir qu'une croix, je vais prendre. Une croix doit toujours être réalisée de euh, la même façon à savoir, on a nos quatre trous. Parce qu'en fait, on a nos fils qui passent comme ça et comme ça. Ouais, je sais, je suis très très douée en dessin. C'est pour ça que je fais du coloriage et pas du dessin. Et donc, on a nos fameux quatre trous qui sont ici et qui vont représenter notre croix. Donc, dans l'idéal, ce serait en passant par dessous, ça serait de sortir par ce trou-là, de re-rentrer par ce trou-là, de ressortir par ce trou-là. Et de re-rentrer par ce trou-là. Ce qui nous fait croix. Et croix. Voilà. Avec. Ici dessous. Et ensuite. Comme on sera ici. Ça fait ressortir en diagonale ici. Hop. Et un. Tac, tac tac donc lui ça devient le 3 et tac. toujours essayer de garder un peu ce mouvement pour avoir toujours une croix dans le même sens. c'est à dire que ce c'est pas un coup, je fais ma croix comme ça et le coup d'après euh... et le coup d'après je fais ma croix comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. donc en fait première croix comme ça, deuxième croix comme ça et le coup d'après croix comme ça, et comme ça voilà là je pense c'est un peu plus parlant puisque dit comme ça on a l'impression que la croix c'est la même alors qu'en réalité quand on fait comme ça ça change le relief de la croix et ça change la luminosité et quand les croix sont côte à côte en fait ça se voit donc il faut vraiment bien choisir son tout premier trou pour qui servira ensuite euh, à faire ses croix donc moi comme je vous l'ai expliqué je vais partir de mon trou numéro 1. Enfin, un enfin d'un trou ici donc je vais faire mes croix euh, gauche droite gauche-droite. Et non, droite-gauche. Droite-gauche. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, comme mon premier trait doit être dans ce sens-là, je vais aller piquer dans ce trou ici. Ainsi, je repère mon tout premier trou. Alors, vous pouvez... Donc, moi, là, je sais que ça sera celui-là, parce que vous voyez, j'ai mis mon doigt juste devant et je ne le perds pas des yeux. À partir de ce moment-là, je vais essayer sans me piquer de bloquer mon fil donc pour bloquer mon fil je passe sous une des trames qui est juste à côté et je viens le tirer délicatement alors là il s'est décalé c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent je couperai après et là je n'ai toujours pas perdu de vue mon trou je repasse mon aiguille dans mon trou toujours en tirant délicatement puisque l'idée n'est pas de sortir le fil de la trame que j'ai fait tout à l'heure voilà, je le tire tout en douceur. Donc là, d'habitude, je le fais sans regarder. Hein. Mais pour vous, je vous montre. Donc tout en douceur, je ne tire pas plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai mon fil qui ressort bien sur mon trou qui est ici. Donc mon trait, pardon, mon trou qui est ici. Mon trait, je veux qu'il aille dans ce sens-là. Donc, je viens piquer dans la diagonale. Voilà. Et pareil, je tire sur mon fil délicatement. Ensuite, Là, vous voyez, je suis rentrée ici et je suis ressortie ici. Donc ensuite, je veux que mon fil ressorte au dessus. Donc là, je vais vertical vers le haut. Mais c'est pas facile, je trouve, de se repérer. Voilà, je voulais même pas qu'il aille là. C'est pas facile de se repérer quand on est derrière. Donc il faut prendre l'habitude de repérer ses trous vers l'avant. Donc là, moi, je suis ici et je veux que mon fil aille dans cette direction-là. Donc, comme je, je vais broter de la droite vers la gauche, donc là, je pique sur le trou du bas. J'aurais pu chercher mon trou de l'autre côté, mais je trouve ça plus facile, moi, de chercher mon trou en regardant où je veux que mon aiguille sorte. Et là, je re-rentre. Et j'ai fait ma première croix. J'ai deux options pour la croix suivante. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux symboles identiques. Donc, soit je ressors ici. Et je fais ma croix là, donc ça veut dire que mon trait par dessous, par-delà, à là en diagonale. Soit je ressors ici et je vais faire la croix du bas. Donc on peut soit broder croix par croix, soit on peut broder petit groupement de croix par petit groupement de croix quand c'est plus facile. Attention, je dis bien quand c'est plus, fa plus facile parce qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux et se retrouver à croiser les fils dans tous les sens et à perdre du fil. L'idée, c'est essayer d'économiser au maximum son fil. Donc là, j'ai fait mes deux bandes, euh, mes deux diagonales numéro une, l'une après l'autre, et ensuite, je viens faire mes deux euh, diagonales numéro 2. Et ainsi de suite. Tant que votre croix a la même forme, vous pouvez aller... Diagonale dans ce sens-là ou diagonale dans ce sens-là, peu importe. Ici, je n'ai pas le choix parce que je n'ai qu'un seul symbole. Donc, je viens me mettre à l'opposé du trou dans lequel je suis sortie. Parce que si je repique dans ce trou-là, en fait, j'annule le mouvement que je viens de faire. Hop Et je place ma diagonale. Et ensuite, je viens reprendre mon trou pour placer ma deuxième diagonale. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup, je vais continuer mon petit fil, tranquillement en accéléré, sans vous redonner trop l'explication, hein, parce que bon voilà, faire les croix, je ne pense pas que ce soit ce qui soit le plus délicat, le plus difficile. Je pense que c'est vraiment le départ de euh, à quel. Euh, de comment s'organiser, etc. Comment choisir par quelle couleur on, on débute. Mais. Euh, après là, j'ai commencé par celle-ci, tout comme j'aurais pu commencer par celle là bleue là ou la vert ici, hein, peu importe. En fait, en point, euh, en point estampé, il n'y a aucune euh, aucune règle sur où commencer. On commence vraiment où on veut. Après, quand il y a des très très grandes toiles, c'est vrai que c'est bien de commencer. Euh, comment dire? de ne pas trop commencer dans tous les sens puisque la toile, il faut savoir que les toiles, à force d'être manipulées, la vous voyez, elle est rigide, à force d'être manipulée elle va devenir souple, ce qui est très bien, hein. c'est plus confortable de broder quand, quand c'est assoupli, mais euh, ça se déforme aussi un peu et euh, à trop les manipuler, on, on peut effacer aussi euh, le dessin, donc c'est bien d'essayer de, de commencer à un endroit qui est un peu plus euh, facile, on va dire, qui demandera moins de manipulation. Et dans lequel on va pouvoir. Alors attendez. Voilà, là vous voyez, j'ai fait une bêtise. Je parle en même temps. Au lieu de faire ma diagonale, j'ai fait une verticale. Donc c'est pas grave. Quand c'est comme ça, je peux enlever. Soit j'enlève mon fil de mon aiguille et je viens retirer délicatement celui qui pose problème. Soit je viens repiquer là où j'ai fait mes bêtises. Alors ça, ça ne marche pas tout le temps parce que des fois, voilà, l'exemple même, des fois on repique dans le fil, donc là, ça ne marchera pas. Il faut que j'enlève mon aiguille de mon fil. Donc voilà, tout simplement. Et là, je viens tirer sur le fil qui pose problème. Comme quand je fais un nœud, tout en délicatesse, tout en douceur, tout en patience, ce qui me correspond parfaitement, vous le savez. Alors, pareil que pour le nœud, hein, ça va venir petit à petit. Il faut juste pas forcer, il faut y aller en douceur, en délicatesse et en patience. Des fois, je me demande pourquoi je fais du point de croix. Douceur, délicatesse, patience, c'est tout à fait moi, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Ouais, là, fallait en fait, j'ai fait une verticale au lieu d'aller sur ma diagonale ici. Donc, bah voilà, c'est pas grave. J'ai perdu mon aiguille, c'est pas très grave, je reprends mon enfil, je vais simplement remettre mon fil, donc là je fais une petite boucle, je pourrais reprendre la boucle, mais elle est déjà un petit peu euh, fragilisée donc j'ai pas envie de l'abîmer plus, j'ai pas envie qu'il casse, donc euh, voilà, j'enroule je, simplement mon truc mon fil autour de la, de le, du petit crochet, et donc là je fais bien attention, je me mets dans la diagonale. Et c'est reparti oui les erreurs c'est courant surtout moi parce que en fait je fais plus attention à ce que je fais et euh, du coup euh, du coup voilà quoi Hop. allez je vais finir mon fil tranquillement sans papoter et sans euh, me sentir euh, jugé par euh, la caméra et euh, du coup, je vous retrouve une fois que j'ai terminé mon fil. A tout de suite. Voilà, j'ai un petit peu avancé sans vous. Comme ça, j'ai brûlé un peu plus vite, sachant que déjà, pour faire ça, en général, il me faut à peu près 30 minutes. Donc, euh, je me suis dit qu'en vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Et là, comme vous pouvez le voir, mon fil commence à être vraiment trop petit, puisque je ne peux aller nulle part. Mon aiguille est trop longue par rapport à lui. Donc, bah, pour arrêter mon fil, c'est très simple. Même méthode que pour le démarrer. Eh bien je viens simplement me glisser sous une trame à proximité. Donc là mon fil était tellement court que je ne pouvais plus le faire avec mon aiguille. C'est pas grave. Je viens placer mon aiguille, je prends mon enfil, je place bien mon aiguille sous la trame et je n'ai plus qu'à glisser mon fil dans le petit crochet, le tirer à l'intérieur du chat de l'aiguille. Donc quand il est court, c'est un petit peu plus dur. Je sais que vous ne voyez rien, mais. Voilà, là il est enfilé et après je n'ai plus qu'à passer mon fil sous la trame et le récupérer. Donc ça c'est valable comme là quand le fil est trop petit pour continuer alors que j'ai encore le symbole. Mais si je n'avais plus le symbole, j'aurais pu faire exactement pareil avec le fil restant. Je le passe pour arrêter, voilà si j'étais arrivé ici et qu'il me restait du fil, et eh bien je le passe dessous pour arrêter mon fil et après avec ma paire de ciseaux. Je viens couper le plus proche possible du bord pour éviter qu'il y ait trop de fils qui pendouillent et bah, ce qui reste, soit comme là il n'y a vraiment pas grand chose, je le jette, soit je le remets sur ma cartonnette et je passe au fil suivant, ou alors je le laisse sur mon aiguille pour aller à la zone suivante. Parce que ici, mettons, une fois que j'aurai fait ma dernière croix ici, je peux tirer mon fil ici parce que ce n'est pas très grand, mais si j'avais pas cette petite croix-là, ici, les autres sont beaucoup trop loin. Ça aurait été mieux de couper mon fil et de repartir à côté. Voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions particulières, si vous souhaitez que j'éclaircisse plus ou moins certains points. Et euh, si vous avez des questions pour d'autres techniques de points de croix, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye